Et bien venons donc sur le tapis rouge, accompagné d'Élodie Bouche, lauréat de la Caméra d'Or, réalisateur ou réalisatrice d'un premier long métrage montré dans toutes les sections confondues au Festival de Cannes. Je rappelle les musiques au film présenté cette année dans la compétition. On avait entendu cette chanson dans le redoutable. Sandrine Kiberlin sur le grand écran du palais. Bien décidé, empoigné à la mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, adulé les riches, signer mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celui qui le soir qui bien sûr sous mon maquillage. Mais la voix est là, le geste précis, le rouge. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. J'ai le cœur d'enfant. Je n'ai pas eu de haine, mais au fond de moi, je suis sûrement que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je porte, et mes chansons portaient pour subsister de faire n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des grands et des filles soldats. Qui a remporté le star du meilleur acteur en droit. Interprétation dans le pianiste. Et maintenant, nous avons le plaisir d'Jacob et Marie-Josée Pose. Irène Jacob pour la double vie de Véronique de Christophe Kuslowski. Et Marie-Josée Pose pour les invasions barbares de Gabriel Arcand. Sous les ovations, les projecteurs. Pour sortir du nombre, j'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Ici tout à l'heure, ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. On a